الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الإمام أحمد النسائي rapporte, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la venue, l'arrivée de Ramadan à ses compagnons en disant « Ataakum Ramadan »« Ramadan, vous êtes venu. C'est un mois sacré que Dieu subhanahu wa ta'ala vous a rendu obligatoire son jeûne. Dans ce mois, les portes du ciel sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est privé de tout bien. » Donc dans ce hadith, il n'y a pas une simple annonce de l'arrivée de Ramadan, mais l'annonce d'une bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une bonne nouvelle qui est celle de l'arrivée ou de la venue de Ramadan. Et il rappelait sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons certaines qualités, certains mérites du mois de Ramadan afin de les motiver, de les inciter à redoubler d'efforts et à œuvrer pendant ce mois afin d'être parmi les gagnants dans ce mois béni. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan vous est venu, c'est un mois béni. Shahrun Mubarak, béni, car il est source de bien. Et al-baraka, la bénédiction en arabe, signifie étymologiquement augmentation, multiplication. Donc Ramadan, c'est une grande source de bien. Il tire son honneur, son prestige du Coran, car c'est le mois dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. C'est un mois béni. Et les actes de bien, les actes d'adoration, ils ont une valeur ou une importance plus grande lorsqu'ils sont accomplis.
dans un endroit béni ou dans un temps béni. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc ceci explique Barakat Ramadan, la bénédiction de Ramadan. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc en termes de récompense, Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne pendant ce mois. C'est une obligation. Et elle l'a prescrit pour cette communauté comme il l'a prescrit pour les communautés précédentes. Donc c'est une obligation, c'est une adoration qui est commune à toutes les communautés. Et ceci montre l'importance et la valeur du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam. Il constitue avec les autres piliers le socle, la base de la religion. Les piliers sans lesquels l'édifice spirituel des croyants ne peut s'élever, ne peut se construire et ne peut tenir sans ces piliers. Donc Siyam, avec les autres obligations, les grandes adorations, la prière, l'aumône, zakat et le pèlerinage constituent les piliers de l'islam et les adorations obligatoires par lesquelles le croyant chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala. « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu » Allez. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi à terme divin rapporté par le Bukhari, « Mon serviteur ne saurait se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux si ce n'est par les actes obligatoires. » Donc, somme le jeûne permet aux croyants de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Donc on ne peut pas parler de cheminement spirituel solide si les piliers, la base, il n'est pas solide. Dans ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes, dans une version, les portes du ciel. Et ceci pour mettre en avant l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un mois dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala facilite l'adoration. Les démons sont enchaînés. Donc l'effet négatif des démons diminue. Et l'effet positif des anges augmente. Yamunadi, un ange qui appelle, « Oh, toi qui veux du bien, approche-toi. » Donc c'est un mois où l'espoir est grand. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala, il verra tous ses péchés passés pardonnés. C'est un mois de grand mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui accomplit l'Umrah, le petit pèlerinage, durant ce mois, c'est comme s'il a accompli un pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith montre une fois encore l'importance ou la valeur du Ramadan, Barakat Ramadan, la bénédiction de Ramadan. Umrah accompli pendant le mois du Ramadan est équivalente en termes de rétribution, de mérite, à un pèlerinage accompli en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-Siyam, parmi ses mérites, c'est qu'il intercédera en faveur des jeûneurs le jour du jugement dernier. As-Siyam ou al-Qur'an yashfa'an, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur des croyants le jour du jugement dernier. Donc Ramadan, c'est un mois de grand mérite, d'où l'importance
de jeûner ce mois de Ramadan comme il se doit. Le jeûne, il ne doit pas se limiter au fait de délaisser le manger ou le boire, de manger ou de boire, mais comme il a dit Omar ibn al-Khattab, mais de délaisser le mensonge et les futilités. Quand c'est le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il s'abstienne de se montrer indécent, de proférer des grossièretés ou d'élever la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dit « je suis en état de jeûne », il doit se rappeler qu'il est en état de jeûne et que son jeûne l'empêche de repousser le mal par le mal, mais de repousser le mal par le bien. Le croyant dans le mois du Ramadan, il doit prendre de la hauteur, doit repousser le mal par le bien. Ramadan est une éducation, éducation de nafs. On jeûne, on s'abstient de manger et de boire et des rapports conjugaux afin d'affaiblir à nafs l'ego, le corps et de renforcer l'âme. C'est le mois de l'éducation spirituelle. Et la réussite dans ce bas monde et dans la vie dernière repose sur la purification de l'âme. Tazkiyat an-nafs. Donc le jeûne, il doit avoir un effet positif sur le comportement de l'individu. Il doit affecter positivement la morale et le comportement de l'individu. C'est pour cela que Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il parle de 3 degrés du jeûne. Le jeûne de la masse, de la majorité des gens, s'abstient de manger, de boire et des rapports conjugaux, mais il tombe dans les péchés. La médisance, le mensonge, le faux témoignage. Et donc le jeûne, il est valide, mais il n'a pas réalisé la finalité escomptée. C'est comme la prière, la rétribution de la prière est conditionné par la concentration dans la prière. Et il y a un deuxième degré, nous dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est que plus de l'abstination de manger, de délaisser la nourriture, la boisson et les désirs, c'est le jeûne des membres. Puis il parle d'un troisième degré, c'est le jeûne du cœur et de l'esprit de toutes les mauvaises pensées et de l'attachement à ce bon monde. Et c'est dans ce jeûne, c'est le fait d'orienter son cœur uniquement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc afin que le croyant tire profit de ce mois béni, donc il doit préserver son jeûne, ne pas l'entacher, ne doit pas se limiter à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à un niveau qui est au moins le niveau le deuxième degré dont parle l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est le jeûne des membres. Salut Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum al-albab. Allahumma taqabbal minna innaka at-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min 'utaqai hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma ahillahu 'alayna bil yumni wal imani wal barakati wal khair. وأن ترفع عنا هذا الوباء وأن تعيدنا إلى بيوتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو قل من ذلك برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا عونا وظهيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا
وردنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.